Salut, salut. Donc aujourd'hui on se retrouve en Gambit. Donc pour faire la fameuse quête des 25 gardiens tués. T'as pas la foi. Voilà, donc là je suis à 20. J'ai perdu pas mal de temps pour me trouver celui-là. Mais bon. Voilà, je suis déjà à 20, c'est déjà bien. J'attends juste qu'il pose encore. Ah bah tiens, moi je peux avoir le maître du tonnerre. Alors je vous conseille, quand vous faites la quête avec les fameux comment ça s'appelle avec les fameux gardiens à tuer, en fait le mieux c'est par le maître du tonnerre. Donc on me l'a conseillé vivement, vivement conseillé. Moi je vous la conseille à mon tour aussi, parce que franchement c'est une bonne arme. Après, parce que du coup ils font l'étude en cryo-électrique. Presque l'heure du primordial. Donc il vous fait un petit peu augmenter donc l'étude, tout ça, donc c'est vachement utile. Ennemi en approche au jardin, le portail est là. Allez les regarder droit dans les yeux. Avec une meilleure arme. Je vous ramène. Ouais, j'ai fait le con. J'ai fait l'idiot. Mais j'aurais pas dû faire comme ça. Pas grave. Bon, ça m'étonnerait que le portail après va s'ouvrir. Ouais. Non, mais t'es sérieux, quoi. Plus de 5. Portail des réseaux de tir, bah oui, tu vas rentrer dedans, mon ami. Ah non. Non. Je vais y aller. Voilà ce que ressentent les corrompus. Savourez cette sensation. Vous avez du retard. Un de moins. Deux pour le prix d'un. 10 secondes, revenez avec une meilleure arme. Ah, le salaud. J'aurais pu l'avoir. Mais bon. C'est le jeu, ma pub du 7. Attention, vous allez gagner. Vous allez dire gagner un machin. Parce que hashtag du jeu, c'est un handicapé. Je vois pas tout ce qu'il dit, mais après, faut pas s'énerver. Mort pas du tout, quoi. Le mec, il voit que l'autre, il est inimisé. Non, il se dit pas. Ah bah tiens, il est peut-être inimisé. Faut que, peut-être que je tue l'autre à côté. Non, non. Et que l'autre, il tire dessus. Donc, aussi, pour faire une petite parenthèse dans les têtes du malveillance, vous allez voir, vous allez avoir à faire donc, ces fameux 25 kills là, que je suis en train de faire. Et ils vous disent d'éliminer 4 gardiens en une invasion. Alors moi je vous conseille, mettez-vous avec quelqu'un qui est fort en gambit, donc quelqu'un qui joue très souvent en gambit ou qui fait des invasions, tout ça. Donc je pense pas que vous réussirez en une fois, je pense pas, comme moi. Moi j'ai réussi à la faire en une fois parce que je suis tombé sur une équipe en face pas très fut, on va dire. Les mecs ils étaient tous collés les uns aux autres, donc du coup j'ai pris le maître du tonnerre, je suis arrivé, je les ai tous défouraillés. Donc après, vous pouvez aussi bien tomber sur une équipe moyenne, donc une équipe nulle aussi, ou sur une très bonne équipe, après c'est à voir. C'est totalement à voir. Moi j'ai réussi à le faire en une fois, j'étais avec le Mythis. Et après vous avez aussi, donc ça c'est la troisième quête après. Il faut faire du gambit et il faut déposer des particules
Donc vous avez déposé 15, je crois que vous avez 4 ou 5%, je crois. Peut-être un peu moins, je sais plus. Par contre, si vous mourrez alors que vous avez 15 particules, là vous enlève pour le triple ou le double, je sais plus. Il vous enlève un certain pourcent. Moi j'étais passé à un moment de 11, je suis passé à 9. Après de 9, je suis passé à peu près 21 en une partie et tout. Donc la quête n'est pas difficile, elle est juste très longue. Ben, à part pour la corrompue, bien sûr. La corrompue est très dure, franchement. Ne tentez pas en solo. Moi, je vous dis, ne tentez pas solo. Voilà. Encore un. Yes! C'est bon. Je vous aime, public, je vous aime. Voilà, nickel, j'ai fait des trucs. C'était chaud, c'était chaud. Alors du coup, après c'est quoi le tête? Pas le vagabond à la tour. Je sais pas si c'est la fin. Mais là franchement, j'ai presque envie de me barrer en fait du Gambit et aller voir tout de suite le vagabond. Mais je suis pas un salaud, je vais quand même terminer. Donc une fois que c'est terminé, bah on ira voir le Gambit, tout ça. Et aussi, bah moi du coup, ça fait pas longtemps que j'ai la tête brûlée. Ça fait à peu près 4-5 jours que j'ai la tête brûlée. Et franchement, en physio automatique, il n'y avait pas meilleur que la fureur du tigre au début. Donc le physio automatique du raid, qui était bien. Mais là franchement cette nouvelle arme est bien. Après on m'a dit aussi pas mal de bien au niveau du comment ça s'appelle, du malveillance. On m'a dit aussi qu'il était bien. Après j'ai pas encore testé, donc je sais pas comment il sera. On m'a dit qu'il était cheaté. Comme ça après aussi c'est à voir, j'en sais rien du tout. Zut, je suis mort. Zut, pute, caca bouda. Ah, les mecs, ils sont pas très doués pour les invasions, franchement. Ah, la première manche, ils nous ont roulé dessus, mais ah, franchement, ils sont un peu nuls. Ah, du coup, bah, moi j'ai le slipper, ah, des esprits dormant. Mais je prends beaucoup plus le marteleur. Malgré que le slipper, je peux être beaucoup plus haut, hein, je peux être là à 628. Mais bon, le marteleur est bien, franchement, c'est une bonne arme. Il n'y a rien à redire au niveau de ça. Là, du coup, je suis à 780. Ça va. Après, je sais pas si j'utiliserai beaucoup la malveillance. Je sais pas. J'ai pas encore. On m'a dit qu'elle était bien. Ça, on me l'a dit plusieurs fois. Mais je sais pas du tout si elle vaut en fait. Ça, c'est le truc. Je sais pas du tout si elle vaut. On m'a dit quand on fait 10 balles, il y en a 5 qui reviennent directement dans le chargeur, je crois. D'après ce que j'ai compris. On m'a dit ça à un moment. Donc après je sais pas du tout si c'est bon, j'en sais rien. On verra bien. Ah bah j'ai déjà envoyé deux bloqueurs. Bah oui mais non mais les autres ils sont en train de dormir aussi. Ils sont en train de faire dodo là. Il faut les time coin dodo. Bah l'autre il est à 15 là. Mais les mecs ils sont mais d'une intelligence mais remarquable. L'autre il passe devant une île quoi.
Oh tiens, si j'allais passer devant une hydre. Elle me touchera pas, je suis invincible. Aïe 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 aïe. Mettez les types d'handicapés. Oh là là. Donc après aussi, comme ça vous le savez directement, je vous le dis, la vidéo que je ferai, donc ça sera un montage. Donc ça sera pas comme d'habitude où il y a juste des petits blabla par-ci par-là. Là ça sera vraiment un montage donc, que je vais faire. Et après bah, vous aurez le résultat final dans la vidéo. Vous aurez la vidéo finale, tout simplement. Tout simplement. Je sais pas si elle fait pour y avoir les 9 là. Bla bla bla. Je vais t'appeler Choupi. Ah non. Choupi. Je vais t'appeler Choupi, moi, comme le dessin animé. Quoi que, hein, il y en a, c'est un peu Google sur les bords, donc. Il sera encore capable de s'appeler Choupi, quoi. Tiens, ta gueule, toi. Ah, t'as 13 particules. Ah, bah t'en as plus. Oh. Ah, bah toi, t'es mort. T'es mort, Tiber. Bon, là, de toute façon, je verrai pas. Pas assez rapide. Non! Il me fallait juste une seconde de plus, c'était bon. J'ai tué Spartan. Ah. Bah, c'est où la bande à Choupi? Ils ont presque fini ou pas? Ils ont pas encore tout à fait fini. Ennemi en approche dans la cave. Le portail est prêt. Allez, ah non, barre-toi toi. Toi aussi, casse-toi. Ah oh bon ça. Toi tu m'as jeté la forêt. Il y a un intrus. Ah, bah il est mort. Qu'est-ce que c'est bizarre, il est mort. On était dominé à la première manche, on a remonté la deuxième, on a gagné la deuxième, on a gagné la troisième, on les a niqués. Ouais. Oh putain, il y a Nezo. Oh non. Oh non. Qu'est-ce que c'est que Nezo? J'ai hâte de voir ce que c'est. J'espère juste que c'est pas un truc de merde. Alors là, aussi pour la petite info, donc la dernière fois que j'ai fait la tête brûlée, donc ça j'ai pas précisé parce que bon voilà, c'était un truc que j'ai pas précisé. La bannière de fer, ouais, non, la bannière de fer, j'en ai rien à foutre. Encourageant.
M'en fous de la bannière de ferme. Non, du coup, j'en étais. Ah oui. Oui, là, c'est déjà l'arrière, en fait. C'est vrai. C'est déjà l'arrière. Du coup, j'avais testé. Je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, j'avais testé donc la tête brûlée. Donc, j'ai fait la quête de la tête brûlée pour le Gambit. Ce que j'ai pas précisé dans la vidéo, c'est que tant que je fasse les 6 heures donc de farm pour le Gambit, bah, j'ai quand même réussi à avoir à peu près, j'ai dit plus de bêtises, 25 en grammes. Donc, parfait. En grammes de base. J'ai réussi à en avoir 25. Après, ce que j'ai eu aussi, c'est tout ce qui est, par exemple, des brassards, des trucs comme ça. Alors, j'ai un petit peu monté en lumière. J'ai toujours des trucs qui me restent sur le bras parce que du coup, j'ai pas pu faire ce que je voulais. Donc, j'ai pas pu encore augmenter comme je voulais mon arca. Donc, j'ai réussi déjà un petit peu à augmenter la tête. Donc, il était de 622, je suis passé à 633. Donc, là aussi, je suis passé à 633. Là, de 629, je n'ai à 632 encore à mettre. Tu vas faire augmenter peut-être 629. Et là, j'ai à 632, donc je pense que je serai peut-être dans les 630, un truc comme ça. Et là, j'ai encore celui-là, mais je sais pas si je vais le mettre. Je sais pas. Parce que là, j'ai le truc de réserve de la pulsion, mais c'est pas. Ça m'intéresse pas en fait, simplement. Oh. Peut-être mettre de mode de fusion. Peut-être mettre ça. Ça, je vais mettre ça. Bah, du coup, on va aller voir. Déjà, j'ai déjà allé voir mon Ezo que j'ai eu. Je vais déposer mes engrammes et je vais voir pour le vagabond tout de suite. J'ai eu deux exotiques. Ah, ouais, d'accord. Putain, c'est la première fois que j'ai eu deux exotiques. Ah, je sais pas quand je les ai eu là, franchement. Putain, je suis trop content. Oh non, non, pas supprimé. Oh, bon, les griffes de la caméra. Ah, le feu chromatique. Ah, celui-là, j'avais pas le feu chromatique. Alors, les griffes de la caméra. Je suis à 635. Est-ce que je peux. Ouais, donc ceci, je peux les infuser, donc c'est bon. 635, c'est déjà bien, oh, franchement. 628. Ouh, 635. Bon, du coup, là, je vais t'ajouter le mieux. Alors, là, ça fait. Les freins de précision cinétique créent des explosions élémentaires. J'aurais pas les bottes de l'inflation, je t'aurais bien pris, mais là j'ai les bottes et c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc désolé mon petit feu chromatique. C'est un... Franchement là je raconte pas de conneries, c'est la première fois que j'ai deux Ezo en peu de temps. Je sais pas quand je les ai eus là, franchement, à part le dernier là. J'ai eu en Gambit, mais en l'autre je sais pas quand je les ai eus. Je suis en train de chercher et je vois pas. Franchement, je vois pas du tout. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il me donne? Ouais. Ouais. Bon, elle m'a pas donné ce que je voulais précisément, mais bon. Alors, ben là, du coup, je vois. Non, je peux pas augmenter. Il est moche. Ah, franchement, il est moche. Là, je vais le démanteler, il me sert à rien, celui-là. Celui-là, pareil. Ouais. Du coup, je vais aller voir lui parce que je lui donne ses petits biscuits, là, celui-là. Je sais pas combien j'en ai. Ah, bah, j'en ai 14. Comme ça, ça me fait les trucs, là. Ah. J'ai donné tout ce que j'avais, et hop. Alors, le 615 sur le jeu de vire. Sur le jeu de vire. Ça devrait faire l'affaire. Donc là, pareil, en casque, j'ai préféré prendre
Avant, j'avais le cast du. Comment ça s'appelle? Du raid. Non, du. 1, 2, 3. Du quatrième raid. Donc, c'est le raid avec Riven. Donc, c'était le nouveau raid, mais maintenant, c'est le deuxième nouveau raid. Parce que l'autre, maintenant, le nouveau, c'est. Machin, là. C'est le fléau du passé. Ah, c'est 134. Alors. De toute façon, mon slipper, je l'augmenterai au tôt ou tard. Alors, je vais aller voir si je prends le slipper, est-ce que je peux l'augmenter quand même? Non, il faut quand même 3 matrices. J'aimerais pouvoir parler plus longtemps Ah, il me faut quand même 3 matrices. Bon, je suis déjà à 629, presque 630, bon, ça va. Alors, est-ce que le malveillant s'est débloqué? J'ai trouvé comment répondre à la Ouais. Et c'est un truc Il que est nous allons débloqué, donc ça fabriquer c'est bon. ensemble. Que diriez-vous si on l'appelle? Alors, du coup. Vous n'imaginez pas tous les trucs que j'ai tués. Du coup. Vous avez vu ce que traîne Tire ma des fille? cartouches contaminées, tu pénètres l'ennemi, tu muses suffisamment de cartouches, les fais tout exploser. Rien ne tue mieux un gardien qu'un autre gardien le vagabond. En 636. Alors maintenant, je suis double revolver. Je suis utilité. Alors, et là, c'est quoi? Alors, je sais pas s'il y a des. Des comment ça s'appelle? Je suis en train de chercher un nom. S'il y a des nouvelles forges, je ne sais pas. Bah, je vais aller voir ça tout de suite. Parce que là, on est le jour de l'arrêt, donc on est mardi. Normalement, ça devait être à 19h. Et je sais pas, moi, on m'a dit c'était 18h. Donc je sais pas maintenant pourquoi ils mettent 18h. Peut-être avec l'heure d'hiver, j'en sais rien. Ou peut-être tout simplement changé, je sais pas. On va aller voir ça tout de suite. Restez un moment et profitez de nos articles. Fusil automatique, épée, revolver. Épée? Une épée puissante. J'ai jamais fait d'épée, moi. Bon. Alors. Amorçage de force terminé. Bah, ça, je vais le faire. Contraint. Hop, hop. Voilà, je vais tous les prendre. Je vais pas me faire chier. Parce que de toute façon, ils seront tous faits. Donc, Mais je vois pas ce que ça peut être l'épée. Je suis en train de chercher. Il me semble que j'ai pas eu d'épée. J'ai eu. Ah, attendez. Alors, je sais plus où c'est. Je reste dans collection armes. Non, ils disent pas. Où c'est? Où c'est? Où c'est? Où c'est? Ah, voilà, la gaillarde. Il y a. Donc, la gaillarde. Ça, c'est le clou qui sonne. Je l'ai pas eu. Après, les deux là, je sais pas. Je crois qu'il n'y avait pas un fils d'éclaireur. Ah, si, le tango. Ça, je l'ai pas eu non plus. Le fusil à impulsion de Frono, ça, je l'ai eu. Après, il me semble pas qu'il y a d'autres fusils à impulsion. Ah, si, le bonne route. Ça, je l'ai pas eu non plus. Donc, déjà, il y en a 2, 4, 6. Attendez, attendez. Donc, 2. 3 3 3 3 4 5 Après il y avait des coups de minuit, ça j'ai pas vu. 6 Le voyageur a 7 affaibli l'humanité, La date de Crémil. donnant un faux sentiment de sécurité. 7 8 Parce que là, c'est le fardeau de Ron, donc 8. Après, bah, il n'y en a pas d'autres. En pistolet, ça, je sais que y en a. 7, 8, 9, 9, 9, 9. L'arsenal Il y en a ne croit ni aux 10. voyageurs, ni à ces morts-vivants, et à 10, l'humanité 11. elle-même. Et après, je sais pas.
11, 12, parce qu'il y a des questions pièges. Bah, 13, 14. Oh, celle-ci, elle est bien. 15, 16, 17, parce qu'il y a la tôle. 17. Il y en a 18. Il y a 18 armes à faire. Ah, c'est pas une masse à faire. Bah, du coup, bah, moi je vais faire un petit peu d'amorçage. Et après, bah, je ferai la quête avec l'épée. Donc après. Ouais, du coup, j'ai déjà fait la quête avec l'épée. Je verrai bien. Ouais, bah, ça, c'est la nouvelle aventure. Ça, bon, ça, on s'en fout. J'ai déjà fait la quête avec l'épée, donc je vais sur la forge de Volmund. Allez, ça c'est le fléau du passé. Hein. Donc je vais déjà sur la forge de Volmund. Bah, moi sur ce, je vais vous laisser et puis on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Ciao, ciao!